Voilà pourquoi Jack Grealish fait partie des footballeurs les plus appréciés d'Angleterre. Même après avoir perdu en finale de l'Euro à domicile, il se montre attentionné, accessible, gentil. Pour en arriver là, le garçon s'est inspiré de l'éducation donnée par ses parents, pleine de principes et de valeurs. Mais il a aussi appris des nombreuses épreuves rencontrées en chemin, comme par exemple le décès de son petit frère. Malgré ça, Jack Grealish a tout fait pour s'en sortir et devenir quelqu'un d'important, de bien surtout. Alors vous aussi, restez qui vous êtes dans n'importe quelle situation. Et si vous vivez une situation difficile, inspirez-vous du parcours de Jack Grealish. Tout commence à Birmingham, le 10 septembre 1995. C'est dans la deuxième ville du Royaume-Uni que Jack Peter Grealish vient au monde. Le garçon grandit dans une famille catholique de la classe moyenne. Kevin et Karen font tout leur possible pour offrir les meilleures conditions de vie à leurs enfants. Humilité, partage, dépassement de soi. Très vite, ils inculquent d'importantes valeurs à leurs protégés. Globalement, l'amour règne dans le foyer et permet à Jack de s'épanouir. Mais le gamin et ses proches vibrent pour une passion commune, le football. Chez les Grealish, on est fan d'Aston Villa de génération en génération. Alors quand il le peut, Kevin emmène ses enfants au Villa Park. Il se déplace aussi quelques fois pour soutenir son équipe. Mais le 2 avril 2000, alors qu'il se trouve à Londres pour la demi-finale de Cup face à Bolton, il reçoit un appel. Le destin de la famille Grealish prend alors une tournure tragique. Kylan, le troisième garçon de la fratrie, décède à seulement 9 mois et 7 jours. Je me souviens du moment où l'on m'a dit ce qui était arrivé à Kylan quand j'étais là-bas, pour le match, et je suis vite rentré. Il n'avait que 9 mois. C'était notre petit ange et j'étais dévasté. Nous l'étions tous. Malheureusement, Aston Villa est maintenant associé à un drame familial. Mais paradoxalement, c'est aussi ce club qui apportera le bonheur absolu aux Grealish. Car peu de temps après la disparition de Kylan, Jack passe des essais avec les Villans. Et à seulement 6 ans, il intègre le centre de formation de son club favori. Le petit garçon est passionné et déterminé. Fortement soutenu par sa famille, il affiche un mental d'acier. Mais en plus de cela, Jack est motivé par le décès de son cadet. Désormais, tout ce qu'il fait est dédié à la mémoire de Kylan. Jack n'était qu'un enfant, mais il se souvient de Kylan et il pense encore à lui dans tout ce qu'il accomplit. Il a gagné une coupe avec son équipe quand il avait 7 ou 8 ans. On a décidé de la donner à l'école de Jack et ils l'ont renommée la Kylan Daniel Grealish Memorial Cup, ce qui était une belle attention. À cette époque, le jeune Jack est loin d'être le plus talentueux du centre de formation. En revanche, c'est probablement le plus déterminé à réussir. Son âme de leader lui permet d'engranger beaucoup de confiance. Et avec ses ingrédients, il se fixe des objectifs précis. Travailler, progresser, briller. Et dans cette optique-là, c'est ce qu'il fait. Au fil des années, Jack s'impose comme un joueur référent chez les jeunes. Il se démarque par son explosivité et sa capacité à éliminer les défenseurs. Mais ce qui fait sa renommée, c'est qu'il peut produire grâce à sa première touche de balle. Le dur labeur finit par payer et Grealish est appelé en sélection de jeunes. Mais c'est avec l'Irlande qu'il dispute ses premières rencontres internationales. Alors pourquoi l'Irlande? Ses grands-parents paternels sont irlandais et son grand-père maternel aussi. C'est notamment pour cette raison qu'il a pratiqué le football gaélique à l'école. Mais quand on grandit à Birmingham, il est bien difficile de ne pas tomber amoureux du ballon rond. Jack a beau s'améliorer, il n'a pas encore le niveau pour jouer en première ligue. Alors, pour gagner en expérience, les Villans l'envoient à Notts County en 2013. Là-bas, le garçon marque 5 buts et donne 7 passes décisives en 38 rencontres. À son retour, le garçon n'est pas plus utilisé par son entraîneur. Mais cela ne l'empêche pas de rester patient et d'attendre son tour. Du moins, Grealish ne se repose pas, au contraire, il travaille dur, il donne tout pour atteindre ses rêves. À tel point que son implication et sa détermination sont très appréciés par les joueurs de l'effectif professionnel. Et le 7 mai 2014, ses efforts sont récompensés. Il entre en jeu pour la première fois avec Aston Villa. Ce jour-là, c'est le rêve de toute une vie qui se réalise. Mais la route est encore longue, et ça, Jack le sait. Alors, pour devenir un incontournable de son équipe, Jack redouble d'efforts. Et il a raison de le faire car c'est comme ça qu'il se fait remarquer et qu'il se bonifie. C'est aussi comme ça qu'il arrive à grappiller du temps de jeu et tout semble parfaitement s'associer. Plus il joue, plus il est bon. Quand Aston Villa retourne en Championship, le jeune homme prend peu à peu les rênes de l'équipe. Il devient très vite un élément essentiel au sein du club.
celui qui avait beaucoup d'idoles va très vite en devenir une, et ce, pour une raison très particulière. En deuxième division anglaise, Jack Grealish semble être au-dessus du lot, à tel point qu'à la fin de la saison 2017-2018, il reçoit plusieurs offres pour jouer directement en Premier League. Mais pour lui, il n'y a pas meilleur endroit pour jouer que la maison. C'est mon club, c'est ce dont j'ai toujours rêvé depuis que je suis gamin. J'ai toujours voulu jouer pour Aston Villa, alors je ne vais pas m'asseoir là et penser « je pourrais jouer là » ou quoi. L'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Et derrière ces mots, il y a énormément de loyauté. C'est pour cette raison que Jack Grealish est particulièrement apprécié en Angleterre. Mais grâce à sa loyauté, il a aussi renforcé son incroyable âme de leader. Car au lieu d'abandonner les Villans, il les a aidés à retrouver l'élite du foot anglais. En plus de ça, les joueurs ont réussi à se maintenir et même à réaliser de très gros coups. Et pour cause, le 4 octobre 2020, ils ont humilié Liverpool 7 buts à 2. Tout au long de la saison, Aston Villa a réalisé de très belles performances. Et quand ce fut le cas, Jack Grealish était très souvent monstrueux. Ses performances en club lui ont logiquement donné davantage de crédibilité. Gareth Southgate n'a pas hésité une seule seconde au moment de l'appeler avec les Three Lions. Mais ce n'est pas tout. Il a également été convoqué pour disputer l'Euro 2020 avec les Anglais, un honneur si important qu'il a disputé certains matchs avec un pouce cassé. Ça montre pleinement la détermination dont il fait preuve. Mais après la finale perdue contre l'Italie, Jack Grealish a reçu de nombreuses critiques. Des fans ou encore d'anciens joueurs anglais l'ont accusé d'avoir refusé de prendre ses responsabilités lors de la séance de tir au but. Mais, fidèle à son homme de leader, à sa franchise, il n'a pas hésité à répondre. J'ai dit que je voulais en tirer un. Le coach a pris tellement de bonnes décisions durant le tournoi et il l'a encore fait ce soir. Mais je ne laisserai pas les gens dire que je ne voulais pas prendre un péno alors que j'ai dit que je le ferais. La veille de ce tweet, alors qu'il venait de perdre l'euro, il n'a pas hésité à partager un moment avec un jeune fan. C'est à la fois cette honnêteté et cette gentillesse qui le rendent si apprécié au-delà de ses allures de nouveau Spice Boy. Dans sa vie, Jack Grealish s'est battu pour y arriver, et après le décès de son petit frère, il a dédié sa vie au football. Il a travaillé sans relâche pour honorer sa mémoire, et au final, ses sacrifices et ses efforts ont fini par payer. Il y a quelques années, quand il était courtisé, Jack a décidé de rester loyal envers son club. Mais après sa magnifique saison avec Aston Villa, il est devenu l'un des joueurs les plus courtisés d'Angleterre, et désormais, de nouveaux challenges pour s'offrir à lui. Reste que le parcours de Grealish montre une chose qu'il ne faut jamais abandonner, que pour réaliser ses rêves, il faut travailler très dur. Alors n'oubliez jamais que quand une épreuve difficile survient, vous pouvez soit la laisser vous détruire, ou bien l'utiliser pour vous améliorer.